Salut tout le monde, c'est Lucas. Joyeux Halloween! On retourne à la fin du mois le plus spooky de l'année et pour la deuxième vidéo spéciale Halloween, désormais annuelle. Donc du coup, je vous dis un très bon visionnage, mais je vais vous mettre un générique spécial Halloween. Salut tout le monde, c'est Lucas 3.0, joyeux Halloween. Donc du coup, comme vous le disais au début de vidéo, on a terminé le mois le plus spooky de l'année, donc c'est parti, vidéo spéciale Halloween, désormais annuelle. Par contre, le petit souci, c'est que, je vais vous montrer un truc, c'est que j'ai changé le spoil, du coup, la vidéo spéciale, voilà, j'ai rajouté un truc, c'est Zoba. Donc on va commencer par Adopt Me, ensuite Friday Night Funkin' versus Sleepy, ensuite Ropet, Zoba, Squishmallow, Pet Sweater X et l'outro, bien sûr. Donc on y va, on va commencer par Adopt Me. Alors chaque jeu, je sais pas combien on va faire de temps comparé à l'autre fois. L'autre fois c'était 10 minutes, mais bon, hein, non, ça ferait 1h20 de vidéo, donc on va faire plutôt 5 minutes par jeu. Donc ça tombe à pic, hein. Mais après, au niveau des crédits, je sais pas s'il y a des crédits spéciales Halloween, mais bon, on verra bien à la fin de la vidéo. Donc du coup, bah on y va. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été sur Adopt Me. Donc les amis, bah on va montrer la magie d'Halloween sur Adopt Me. Et après, c'est le Friday Night Funkin' versus Sleepy. Sur toute la map, il y a des citrouilles avec des yeux bleus, voilà, et quelquefois qui ont un thème précis. Donc on va aller avec avec le corgi, hein, pour aller au manoir. Ça vous va vous faire très bien. Donc voilà, sur le manoir d'Adopt Me. Voilà. On va rentrer. Et là, vous voyez, là c'est super flippant comme endroit. Vous voyez, il y a des pets spécifiques, voilà. Donc il y a le fantôme, le cerf mort-vivant, le vampire dragon, l'hibocouche pardesque, le choupicabla, le sinistre, cerf sinistre, ouais, le dina fantôme. Ensuite, dans le 3, on a eu la boxe avec le cheval, le chat et le corbeau épouvantail, aussi le caillou et l'épouvantail. Et la dernière semaine, on a eu le loup-garou et le slime. Voilà, il y a aussi 3 mini-jeux. Bon, on va dire 2, hein. Le premier c'est saut de tuiles, le deuxième c'est la cicatrice. Bon, la cicatrice on l'avait eu l'année dernière, donc pas trop de surprises. Et après c'est spooky cheval. Voilà. Voilà, donc il y a aussi avec quelques voitures, des pétruires, voilà. Des petits collectables, donc voilà Petra. Donc, on va dire tous les dialogues qu'il y a, donc dans le manoir, et après bon, on va passer au Friday. Qu'est-ce que t'amènes à la ville? Tes peurs, tes inquiétudes, ou la perspective d'avoir des jolies petites bobottes pour ton compagnon? Je peux te rendre tes pires craintes plus effroyables encore. Si tu lui passes donc là et frotte là de l'énergie qui t'attend. Retrouve le bon chemin de l'équipe dans cette tuile. Va m'affronter tes peurs. Voilà. Donc voilà. Maintenant le dialogue de saut de tuile. Voilà. Donc, c'est le premier portail. Donc cette vidéo, je pense, elle va durer un peu plus de 30 minutes. Je sais pas. Non, 35 si je dis pas de bêtises. Voici saut de tuile. Ceci esquive bondit, retrouve ton chemin à la fin, utilise ton cerveau avec ton équipe, trouve le bon chemin. Si tu tombes, tu reviens tout de suite. Personne ne meurt quand je suis là. Ça rentre dans ton cerveau. Allez, essaye de sortir de là. Montre-moi ce que t'as dans le cerveau. Allez, maintenant, là, le Jacques. Bouh. On dirait que t'as vu un fantôme. Moi, c'est Jacques, et je dis beaucoup de choses. Regardez bien le socle au centre de la carte. La cocotiste indiquera les endroits sûrs où aller.
Mais attention, quand la Evil Uni te donnera des indications, tu devras aller sur les plateformes opposées où tu vas crever. On aime bien jouer des tours. Bonne chance, t'en auras besoin. Ok, donc nickel. Moi, je fais des petites voix spécifiques pour Halloween. C'est quand même plutôt stylé. Donc, et le dernier, donc là d'ailleurs, il y aura le mini-jeu dans 20 secondes. Bah, vous savez quoi, on va le faire. Hein. On va pas lire le dialogue parce que c'est dans 15 secondes. Hein. Mais bon. Voilà. Bon, on dira le dialogue après. On va faire le mini-jeu. Voilà, et après on va lire le dialogue de l'autre mec, et après on passera au mode sur Roblox, bien sûr. On va pas le faire sur l'application parce que ça serait encore plus dégueu. Voilà, on va esquiver les ampoules et les trucs en tout genre. Voilà, et ce qu'il faut faire, bah, il faut ramasser des bonbons, tout simplement. Voilà, qui spawn dans la map. M'a pas fait tomber, je suis content. Il y a Chacha dans le salon. Il y a une... Oh non, je suis encore tombé. J'ai fait une mitraillette, le machin. Ouais. Ok, j'ai 2806, c'est cool, j'ai fait le même score que hier. Alors, beaucoup de sable. La mort, oui, en personne. Ton heure n'est pas encore venue, enfin, on verra bien. Tes compétences de survie doivent être mises à l'épreuve. Rassemble autant de bonbons que ton esprit garde tes désirs. Mais que ne provoque pas ta chute, littéralement, ne tombe pas de la plateforme. Tu remonteras, mais le temps perdu ne sera jamais. Voilà, ok, donc très intéressant. Comme dialogue, bon, on va passer au mode versus Flippy. Alors, bon, vous vous en doutez, on va pas faire tout le mode, hein, ça serait été 4 fois plus long, on fera la suite dans la vidéo. Par contre, le générique du début qui s'est lancé, donc vaut mieux que je fasse ça, voilà. Donc passons à l'étape 2 de cette vidéo spéciale Halloween 2023. Donc on y va, hop. Le mode versus Flippy, on va le chercher tout de suite. Il est là. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le mode. Bon, on va mettre comme le son de base, tac. Crates 1, P2, voilà. Pas de P1 parce que voilà. Mode versus Flippy, bon, on met lequel, le basique ou le gros? On va mettre le gros. C'est pas le tiche.
vrai ou faux. Nickel, bon, j'ai fait 46. J'ai raté 46 flèches, mais bon. Double Wadi et XYZ, on va pas le faire. La vidéo va durer trop longtemps. J'ai prévu presque 40 minutes pour cette vidéo. Donc on va. Là, vous voyez, il a pas un peu long temps. Ça, c'est un peu trop quand même.
va passer à l'étape numéro 3 de cette vidéo spéciale Halloween, c'est Ropet, bien sûr. Donc, on va lécher sur Ropet. J'ai très bien avancé depuis qu'on a arrêté la série. C'est que... Voilà, donc là, vous voyez, du coup, j'ai certains pets. D'ailleurs, je me suis acheté le pass de la saison 9. Donc, du coup, vous voyez tous les paliers. Je suis rendu au palier 27 grâce à ça. Et comme pet, du coup, j'ai débloqué la girafe. D'ailleurs, j'ai une version évoluée. Et j'ai l'hippo aussi. Donc, du coup, j'ai à nouveau tous mes pets de l'œuf. Voilà, donc... On va pas faire un épisode de Ropet, mais on va juste voir ce qu'il y a dans le dommage, je l'ai avancé quand même aussi. Donc je suis déjà fait spoil. Pourquoi direct le nouveau légendaire, c'est le paro aussi. Voilà, le paro, il est tellement classe, il faudra être deuxième géant de la forêt pour l'avoir. Mais bon, on va traîner le T-Rex du coup contre ça. Allez, capsule normale pour commencer. On a un petit choc. Deuxième capsule normale, qu'est-ce qu'on a? Un rhino, c'est Zach. C'est Zach de. Et le troisième, donc la capsule d'argent. J'ai un épique Pika. Pika, et en plus je l'avais pas. Super. Je pensais que c'était un légendaire au début, mais non, c'est un épique. Intéressant. C'est un épique. Très bien. Donc on va traiter de la pomme. Non, merde, plutôt Picasse. Picasse, ouais, je crois que c'est un Corly. Et le Foc. Allez. Parti et je garde Zach. On va voir ce que j'ai. La suspense, j'ai. Oh, j'ai eu un épique, j'ai eu Ladybug. Miracle! Ça porte pas chance. Non, je blague. Du coup, on peut plus acheter les items d'Halloween le 9 novembre. Donc, on est le 31. Donc pile poil la sortie de cette vidéo. Donc voilà, donc je vais vous montrer le shop. Donc là on a des accessoires limités. Le nouvel œuf d'Halloween jusqu'au 9 novembre il est disponible. On a le Draculotte, très joli nom. Le Bat Dragon et la Candycorn. Bon, j'ai déjà eu le Bat Dragon, mais il manque le Draculotte et la Candycorn. Aussi d'Halloween. Donc on va s'en acheter une. Une capsule d'Halloween. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a Spida. Spida. Je l'ai déjà. Il y a aussi des items de retour, notamment la voiture chauffeur qui est de retour. Et c'est d'autres items. Et là, on a les mêmes. Bon, on va passer au quatrième jeu parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Donc, on passe au numéro 4 qui est Zoba. Donc, il y a une match d'Halloween, il y avait pas si longtemps que ça. Donc, on va voir ce qu'il donne. Voilà. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait du Zoba parce que j'attendais un peu là. Mais ouais, donc là, on va récupérer tous les coups de saison. Bon, j'ai pas de skin d'Halloween, c'est un peu dommage. Mais si j'avais les 6 skins, j'en avais 6 sur 7, et j'aurais une pièce légendaire, mais j'en ai pas. Une skin d'Halloween, c'est pas de chance. Donc on va récupérer toutes les pièces des fins de saison, donc on va récupérer toujours. Parce que ça c'est super important, et il y a eu des nouveaux persos depuis que j'ai joué à Zoba, avec Zargo notamment. Donc il y a des nouveaux, donc je vais vous montrer dans le...
j'ai pas de chance, je vais rouler haut avec des points. Là, il y a un bois et Ebony. Et aussi, j'avais débloqué Larry aussi. Donc voilà, donc les deux persos de prix, donc je sais plus, hein, je crois qu'il y avait Joy, Joy, Phil et Paco, depuis qu'on a arrêté de jouer, aussi Kali, Ruby et tout. Donc voilà, donc là on a des nouveaux skins d'Halloween, la Love Mix Garou à 11€, j'ai envie de l'avoir. Et dans les failles, on l'a dans le labyrinthe, là on va essayer de l'avoir aujourd'hui. Ah, dommage, ouais, pas de chance. On va se payer 606e, pardon, là. 7800. Henri Desbon, ouais, qui est dans le shop. Voilà. Voilà. Donc là, on a des nouveaux skins d'Halloween, notamment un nouveau skin pour Phil. Bon, il y en a déjà un, c'est Phil Ozoff. Très joliment. Et là, on a Phil Panté. Tout nouveau qui est sorti samedi. Il y a aussi un nouveau skin de Jacques, aussi, waouh, par contre, et tout, ouais, il y a un nouveau skin de Jacques, etc. Donc voilà, et donc là, il y avait une nouvelle vidéo de Hardy Day, donc n'hésitez pas à la voir. Donc voilà, donc il y a Comte Jacula, voilà, bon, assez moche hein, sur le papier, mais ça reste un nouveau skin. Et on a le retour de Nyx Garou, bien sûr, comme il y avait l'offre. Regardez-moi ça, il est trop stylé. Il est en train de péter un câble. Et Dix Doré, je le cherche toujours. Et après, il y a d'autres skins d'Halloween, hein, notamment Fine, là, qu'on va avoir et tout. Donc, les amis, on va se faire une petite game. Donc, on y va. Alors, c'est quoi? C'est en solo simplifié, d'accord. On va prendre Dix, allez, pour l'occasion. Donc voilà, du coup il n'y a que 15 joueurs en mode simplifié. Donc il y a le retour du mode simplifié, avant ils l'ont enlevé, ils l'ont supprimé. Et là on a une toute nouvelle map, la map volcanique. Et là maintenant on a des monstres à la place des... Même les gardes se sont transformés en monstres, regardez-moi ça. C'est trop stylé. Et on a même un petit bain de lave. Non. Non. Il y a une faille niveau 15. Ah ouais, non, mais là, ils ont abusé ou quoi, là? Wouh. Ok, je l'ai tué, mais bon, ça reste... Ouais, donc là, je vais aller dans le bain, là. Pourquoi le bain, il donne pas de... Voilà, donc maintenant, j'ai toutes les armes en or et on va essayer de choper un... Enfin, un petit bain de lave. Épouse. Hop là, merci. Ah oh. Bon, ça va, j'ai tanké l'attaque. Ça va. Ailleurs, voilà. Wow. Bon, je me suis fait défoncer, mais bon, c'est moins grave. De toute façon, je gagne 6 trophées, donc... Voilà. C'est nickel, donc voilà. Donc on va passer à l'étape 5, qui est Squishmallow. Donc on y va. Alors, Squishmallow, il y a une mage d'Halloween, là encore. Je vais vous montrer. Et ce qu'on va faire, on va aller... à...
Vous avez fait du bon travail, la Pat Patrouille. Ah oui, donc il n'y a jamais eu des fantômes. Moi, j'ai jamais cru qu'il y avait quelque chose. Donc on y va, donc je vais aller au shop et je vais vous montrer du coup le shop de Squishmallow parce que il y a le Chico Chic. Le Chico Chic et du coup le, donc les bonbons à sort et on peut acheter des Squishmallow. Et si on est dans le top 10, top 100 plutôt, on gagne un Squishmallow, donc c'est 4 niveaux, niveau 5. Donc voilà. On va vous montrer, on peut quand même le choper en taille 1 dans la machine à pince en hiver. Et on a aussi un Squishmallow exclusif, le Malcolm Chauve-Souris à 2500 de thunes. Ça c'est cool. Et la semaine prochaine, il y aura des nouveaux Squishmallow aussi dans les machines à pinces. Mais je vous en dirai pas plus parce que je connais pas les nouveaux Squishmallow. Donc voilà, donc ça c'est. Et on va regarder les. On l'achète et même. Je peux pas réclamer le Squishmallow là, il est étrange. Attends, j'ai pas la limite de Squishmallow, c'est bizarre. Donc on va aller à la boutique là de Squishmallow de vente. Hop. Donc voilà, donc la boutique, alors qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, on a des chauves-souris en vente, ok. Bon là, c'est pas ouf hein, comme serveur, donc je vais changer. Oh, c'est quoi les Squishmallow qui sont un poulet à combien? 3500. Non, je vais pas m'acheter ça. Hein. Ah oui, il danse. Je sais pas pourquoi il danse. Parce que c'est Halloween? Je sais pas. Peut-être ils sont drogués, j'en sais rien. Et là, on a un clou de gigantesque à 200 000 au niveau 3. Donc, bon, on n'a pas de serveur super intéressant, là. C'est le meilleur serveur où on est. Donc, voilà. Alors, et aussi, il ouais, y a des Squishmallow en vente. Donc, on va voir ce qu'ils vont mettre en vente. Hein. Mais bon. Donc voilà, donc ce qu'on peut faire dans Squishmallow pour Halloween. Donc on va passer à la suite. Donc attends, à la suite, bon, plutôt l'étape finale de cette vidéo. Bon, je voulais faire en deux parties, mais bon, c'est moins grave. Donc on va faire Pet Simulator X. Et d'ailleurs, il y a une petite page, le Merc Drop. Il y a des Titanic peluches, des peluches Titanic qui sont sorties. Ok. Donc voilà, donc là ils ont fait une bâche d'Halloween et aussi une petite bâche avec les Squishmallow Titanic. Voilà, on peut dropper ces peluches. On pourra les acheter dans 8h41. Donc voilà. Et les vêtements d'Halloween, bah c'est simple parce que ouais. Donc on va aller dans d'autres maps, on va aller dans la map allez dans le Dog World parce que moi je veux farmer un peu. Donc voilà, donc maintenant on a des fruits qui spawnent. Là on peut. Et on a aussi des nouveaux pets, là, vous voyez, là, des pets chiens. Et on peut même en avoir un huge, ici. Mais bon, hein, si vous voulez tenter le huge, hein, bien sûr, c'est presque impossible, hein, d'en avoir un. Bien sûr, et après, sinon, bon,
Il n'y a qu'une petite image d'Halloween lambda. Pour le peu de mise à jour qu'ils ont fait, on a peine 2 mois. Ils ont pris des vacances, hein. On est d'accord. Si, ils ont fait quand même le Summerfest et la machine à pince. Je suis plutôt content qu'ils l'ont fait. Mais là, ils font plus de mages. Donc pour le moment, à part celle d'Halloween, donc, on a encore les upgrades. Bon, je les ai au max, donc ça sert à rien de les payer. Et on a un nouveau Huge qui est juste ici, c'est le Huge Vampire Bat. On va essayer de le choper d'ailleurs. Donc on va voir hein, si on peut le choper. On a eu quelques Grim Reaper là. Oh, un Rainbow Grim Reaper. On a eu le Ghoul Horse, super. Bon, là, il n'y a rien. Rien, bon, on n'a qu'un seul Grim Reaper. Ah, l'inventaire est fou. Tant pis, c'est loin d'être grave. Et là, après, il faut qu'on retourne en hardcore mode pour voir ce qui se passe. Donc, on est en mode hardcore. Donc, ouais. Ouais. Donc on va voir ce petit secret qu'ils ont réservé pour le mode hardcore. Il y a un secret super intéressant. Donc on va hop, voilà, équiper les bouffettes. Regardez-moi ça. On va retourner au spawn. Donc voyons ce qui se passe. Donc on peut débloquer la zone area cyber. Donc la cyber area. Je vais voir quand même ce qui se passe en hardcore. Donc on ouvre des yeux de citrouille. Pac-Man Egg, c'est 27 000, donc on va farmer. Hein. Alors, on va aller au... Bon, je pense oui. Ah, tu m'étonnes, hein? Ouais. J'ai acheté la... Ouais, mais je suis en cours de vidéo. Bref, donc du coup... Maintenant, on dirait que les Grim Reaper, en bataille, font plus de... je sais pas si c'est un boost ou quoi, mais tous les pets d'Halloween sont boostés. Bon, au lieu que ça fasse du million, ça fait du cul. Bon. C'est loin d'être mauvais, en soi. Donc on va tout enlever, voilà, et on y va. On va là, ok, j'ai collé 50 millions de candies. Donc on va voir le grave, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ensuite, ouvre son cursed egg. Les cursed egg, c'est ceux-là. Bon, c'est 40 millions, donc c'est quand même cher. Mais on va pas le faire, parce que ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu de cette vidéo spéciale. Je vous dis donc du coup à demain du coup pour la suite de Monster Legend. Et n'oubliez pas, tchuss.